plaquette français. La gelée dans le plat, la gelée dans le plat. Tremble, 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 tente la gelée dans le plat. La crêpe dans la poêle, la crêpe dans la poêle. Fais-la sauter, fais sauter la crêpe dans la poêle. La saucisse dans la poêle, la saucisse dans la poêle. Grésille, crépite, grésille la saucisse dans la poêle. Les nouilles tournicotent, les nouilles tournicotent. Pirouette, pirouette autour de la fourchette. Du pop-corn dans la cocotte, du pop-corn dans la cocotte. Claque et pop, ça dépote le pop-corn dans la cocotte. Du miel dans la cuillère, du miel dans la cuillère. Dégouline, dégouline le miel dans la cuillère. La citrouille tout là-haut, là-haut sur la colline. Roule-boule, roule-boule la citrouille sur la colline. La gelée dans le plat, la gelée dans le plat. Tremble, tremble, tremble autant la gelée dans le plat. Je suis Kent, Kent l'éléphant. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Pouvez-vous deviner les amis? Le tableau noir magique, que vas-tu m'apprendre? Découvrons-le. Oh, quelle est cette forme? Vous avez deviné? Allez, devinez! Oui, c'est un rectangle. Couleur. Rose, rose comme des sucettes. Quelle est cette forme? Vous avez deviné? C'est un cercle. Quelle est cette couleur? Jaune, comme le soleil. Wow! Quelle est la prochaine forme? Vous avez deviné? C'est un carré! Comme le brocoli. J'ai une idée. Faisons un bus à l'aide de ces formes. Waouh! Regarde mon bus. Prêt à partir. Je suis Kent l'éléphant et je suis sur un bateau. Nous avons atteint l'île au trésor. Youhou! Trouvons le trésor. Où est le trésor, les amis? Je me demande où il est. Oh! Une bouteille avec un message à l'intérieur.
Regardons. Dessine un fruit. Wow, ça dit de dessiner un fruit ici. Que devrais-je dessiner? Quel est ce fruit, les amis? Pouvez-vous deviner? Oui, c'est une pomme. Elle est tellement juteuse et savoureuse. Dessinons un autre fruit. Qu'ai-je dessiné cette fois, les amis? C'est une poire. Miam! Dessinons un fruit de plus. Quel est ce fruit? C'est une banane. J'aime les bananes. N'oubliez pas, les enfants, les fruits sont très bons pour la santé. À bientôt pour une prochaine aventure. Bye! Salut les amis, je suis Kent, l'éléphant. Oh! Waouh! Ces fruits et légumes sont tout mélangés. Séparons-les. Qu'est-ce que c'est? C'est une fraise. La fraise est un fruit. Les fraises sont si savoureuses. Qu'avons-nous ensuite? Une aubergine. L'aubergine est un légume. Donc, c'est une mangue. La mangue est un fruit. J'adore les mangues. Qu'avons-nous ici? Un brocoli. Le brocoli est un légume. Et qu'avons-nous ensuite? Une poire. La poire est un fruit. Qu'avons-nous ici? Un chou. Le chou est un légume. C'est une betterave. La betterave est un légume. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pomme. La pomme est un fruit. Et moi, j'aime les pommes. Qu'avons-nous ensuite? Une citrouille. La citrouille est un légume. Ah, plus qu'un seul. Qu'est-ce que c'est? Une orange. L'orange est un fruit. Oui, bravo! Nous avons trié tous les fruits et légumes! Je m'appelle Ken et je suis un éléphant mignon! Et là, je vais retrouver mes amis! Waouh! De délicieux fruits! Puis-je en avoir, s'il vous plaît? J'ai tellement faim! Il est temps pour ma collation du soir! Non, Ken! Tu dois d'abord faire ton activité du jour! Oh, je me demande ce que c'est. Tracer les différentes lignes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Allons découvrir. Je suis excitée. Je m'appelle Kent. Je suis intelligent et je suis un éléphant. Tu es prêt pour ton activité, Kent? Oui, je le suis. Ta première tâche consiste à tracer des lignes verticales. 1, 2, 3, 4. Fini, des lignes verticales. Les bâtiments que nous voyons autour de nous sont verticaux. Ok, Kent, tu dois nous montrer si tu sais dessiner les lignes horizontales. Oui, je peux. 1, 2 et 3. Voilà. C'est facile de gauche à droite. Les routes sur lesquelles nous nous rendons à l'école sont horizontales. Ok, Kent. Maintenant, tu dois dessiner des lignes en zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ressemble à des V à l'envers et collés. Les magnifiques et gigantesques montagnes sont en zigzag. Que devrions-nous lui donner ensuite? Donnons-lui des lignes courbes. Je peux dessiner des courbes. Elles ressemblent à des vagues. Haha, tu vois l'océan? C'est là que naviguent les navires. Maintenant, ça pourrait être délicat, Kent. Peux-tu dessiner les lignes pointillées? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regardez les amis, les pointillés ressemblent à un essaim de fourmis, n'est-ce pas? Oui, tu as accompli ta mission. Ok les amis, révisons maintenant. Ce sont des lignes verticales. Là, des lignes horizontales. Celles-ci sont en zigzag. Celles-là sont des lignes courbes. Et ce sont des lignes en pointillés. Enfin, je peux manger ma délicieuse pomme. Salut, je suis Kent l'éléphant et je suis à la recherche de la banane dorée. Je dois passer par l'arbre enchanté, le mur des formes et enfin, le rocher magique. Oui, je suis en route. J'ai atteint l'arbre enchanté où je dois récolter 3 fruits. 1, 2, 3. Oui, j'ai réussi. Mon prochain arrêt est le mur des formes. Je suis en route. Je suis presque arrivée. Je dois trouver la bonne forme et la placer dans le mur. Triangle? Ça ne va pas. Carré? Ah non, ça ne va pas non plus. Cercle? C'est la forme parfaite. Oui! J'ai gagné! Mon prochain arrêt est le rocher magique. Je suis sur la route. Je suis presque arrivée. Je dois colorer la pomme dessinée sur le rocher. Quelle couleur dois-je utiliser? Bleu? Non, non. Rouge? Oui, c'est correct. La pomme est rouge. Rouge. Youpi! J'ai réussi! Je marche vers elle! Oui! La voilà! Elle est tellement dorée! Abonnez-vous et regardez plus. Le plaquette français.